du cœur. Je parlerai à tous mes amis de ma bonne fortune. Je t'ai pris pour un menteur et un maître fin. Mais tu avais raison. Que Dieu guide tes pas. Qu'est-ce qu'il agite à ce point? Oh, mon élixir qui sera bientôt très convoité. Tu vois, une gorgée plonge dans le sommeil et au réveil, on devient plus riche. Voilà une ruse que je ne connaissais pas. Ça ressemble à une ruse, oui, et je suis incapable d'expliquer pourquoi, mais cela fonctionne. L'enthousiasme de cet homme le prouve. Lui et bien d'autres sont revenus me voir, tous avec une histoire différente, mais tous étaient devenus riches. Très bien. Donne-moi ton élixir. Je n'en ai pas pour l'instant. Sa préparation n'est pas sans danger. Tu dois être certaine d'accepter les risques. Encore faudrait-il me dire lesquels ? Très bien. Je vais avoir besoin de deux ingrédients indispensables. Des testicules d'ours et du lichen bien frais. Où vais-je trouver ces ingrédients? Il y a un endroit près d'ici, où les ours viennent manger des chanterelles d'hiver. Quant au lichen, il en pousse dans le puits, dehors. Sois prudente. Du lichen pour l'élixir de l'alchimiste. Voilà ce qu'il fallait prendre à un ours.
Tiens, je te rapporte ce que tu as demandé. Fort bien. Je vais me mettre au travail. Tu auras bientôt ton élixir. Et voilà, l'élixir de miraculeuse richesse. Pour toi. On dirait que celui-là a aussi bu de l'élixir. Il est arrivé jusque-là, mais sans jamais pouvoir repartir. Il faut que je retourne voir l'alchimiste. Il sait peut-être ce qui s'est passé.
L'alchimiste. Qu'est-ce qui m'est arrivé après avoir bu cette saleté? Comment le saurais-je? Je te l'ai dit, je suis incapable d'expliquer comment cela fonctionne. Mais l'élixir a marché immédiatement sur toi. Tu es sorti en titubant, puis tu t'es mis à traverser la forêt à toutes jambes comme si tu avais flairé quelque chose. C'était sauvage. J'étais un peu inquiet, mais je suis heureux maintenant de te voir en forme. Ta fortune a-t-elle augmenté? D'une certaine manière. Je me suis réveillé dans une grotte à côté d'un cadavre agrippé à un trésor. Voilà un résultat inédit. Un de tes anciens clients, je crois. Mais à qui la chance n'a pas souri. Je devrais peut-être cesser de préparer cet élixir. Au moins tant que je n'en aurai pas compris les effets. Bonne idée, oui.